Aujourd'hui, je te montre comment faire du beurre de cacahuète. Tu vas avoir besoin de 500 g de cacahuètes grillées non salées. Généralement, elles sont déjà grillées, mais si elles ne le sont pas, il faudra les griller toi-même au four. Assure-toi aussi qu'elles ne soient pas assaisonnées, le paprika dans le beurre de cacahuète, c'est pas top. Je mets mes 500 g de cacahuètes dans un robot mixeur, je rajoute une bonne pincée de fleur de sel et je mixe. Au bout de 3 minutes, ça va ressembler à ça, comme un sable épais et humide. Je continue à mixer et ça va se transformer en une pâte épaisse. Plus tu mixes, plus ça va faire sortir les lipides et ça va devenir soyeux. Si tu sens que le mélange chauffe un peu trop, faut pas hésiter à faire quelques pauses. Et au bout de 10 minutes, tes cacahuètes mixées vont ressembler à ça, une jolie pâte soyeuse et délicieuse qui colle aux dents. Je le mets en bocal et je vais le garder à température ambiante, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Tu peux faire plein d'autres pâtes d'oléagineux exactement de la même manière, avec des amandes, des noix de cajou et bien d'autres. C'est 100% naturel, il n'y a rien de suspect d'ajouter et comme t'as vu, c'est super simple à faire soi-même. Bon app'.